Antoine Cazuvolo, bonsoir. Vous êtes journaliste. Vous avez entre autres publié en 2005 aux éditions privées un livre intitulé « La vie rêvée » de Pierre Goldman. Suite à la publication de ce livre, vous rencontrez deux fois un ami de Pierre Goldman, dénommé Jean Depucet, qui vous donne un gros sac plein de papiers et de cassettes audio, le fruit de son enquête sur la mort de Coluche. Depucet est mort d'un cancer en mars dernier, au moment où, à l'aide de ses documents, vous commencez la rédaction du livre qui vous emmène ici ce soir. Ce livre, que vous co-signez avec Depucet, s'appelle « Coluche, l'accident, contre-enquête ». Il aurait pu s'appeler « Coluche, accident ou assassinat ». Au départ, quand Depucet vous parle de l'hypothèse d'un assassinat de Coluche, vous souriez, vous pensez aux rumeurs, la fausse disparition d'Alain Colas, l'assassinat de Lady Di, Thierry Messant, qui a raconté qu'il n'y avait pas eu d'avion sur le Pentagone. Mais vous écoutez Depucet par politesse, en fait. Et puis, ce qu'il vous raconte cesse de vous faire sourire. Alors, on va recommencer au départ, aux circonstances du décès de Coluche. Mais auparavant, j'accueille Philippe Boggio. Bonsoir. Philippe Boggio, bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste, auteur de biographies. Vous rééditez chez Flammarion Coluche, l'histoire d'un mec. Alors, Coluche est mort il y a 20 ans, le 19 juin 1986. Tout le monde parle d'un Coluche roulant comme un dingue sur une petite route de l'arrière-pays cannois et qui découvre un 38 tonnes à la sortie d'un virage. Putain, c'est trop con, ce putain de camion. Mais qu'est-ce qu'il foutait là ? En fait, selon les copains de Coluche qu'il suivait à moto, Didier Lavergne et Ludovic Paris, il roulait à 60 km/h seulement. En fait, dites-vous, Antoine, le chauffeur a braqué sous le nez de Coluche. Et Coluche, voyant le chauffeur braqué, braque aussi. La moto se couche, mais il ne passe pas sous le camion. Et sa tête heurte un phare. Voilà. Ça, c'est le premier point de votre argumentation. C'est-à-dire qu'en fait, Coluche ne roulait pas aussi vite qu'on a bien voulu le dire dans les médias à l'époque et depuis. Voilà, le problème, il est là. Si vous lisez tous les journaux qui ont paru le lendemain, eh ben, c'est un type qui est à fou de vitesse. De toute façon, ça, on sait, hein, c'est ouais. Tous les papiers, etc. Mais qui roulait, la route est sinueuse à cet endroit-là. Il roulait certainement à fond. Il y a des automobilistes qui disent qu'ils se souviennent d'avoir été doublés par une grosse moto, etc. Et puis, au détour d'un virage, il y avait un camion qui manœuvrait pour rentrer dans un camping. Et puis, pas de bol, le type, il arrive trop vite et paf, il se prend ouais. Le camion qui lui barrait la route. Ouais. Bon, moi, quand Depucet me raconte son histoire, moi, j'ai ça en mémoire. Ouais. On a tous ça en mémoire. Ouais. Un seul journal, un seul quotidien a envoyé quelqu'un pour enquêter sur place, c'est France Soir. Un seul hebdomadaire de toute la presse nationale, c'est le journal du dimanche. Et dans le journal du dimanche, on lit ce que dit Didier Lavergne, à savoir qu'on ne roulait pas vite, on allait à 60. C'était pas une route sinueuse, c'est une grande courbe. Et là, il y a une ligne droite qui fait 200 mètres. Mmh. Avec de l'herbe sur le chemin, comme ça. On voit un camion arriver au pas. Alors, il y a trois motos, comme ça. Mmh. Coluche est en premier, les deux autres, Didier, Ludo. Le camion arrive tout doucement au pas, il n'y a pas de clignotant. Et au dernier moment, paf. Alors, ouais. Paf, pour faire quoi? Pour faire quoi? On a dit que ce camion, il manœuvrait pour rentrer dans un camping. Donc déjà, il ne manœuvrait pas. Il n'y a pas de camping. On a dit, on a lu, c'est une décharge sauvage. C'est pas une décharge, c'est un pré. C'est ouais. Un pré. Ouais. Ce camion, il transporte des gravats pour les mettre dans le pré. Quand je fouille dans les affaires de Jean, je trouve le jugement. Sur le jugement, il y a un truc, personne ne l'a lu, mais ça vaut le coup d'être dit quand même. Personne ne l'a lu. Les gravats provenaient de la gendarmerie. De grâce. Donc, de grâce. Donc des gravats de la gendarmerie, un camion qui vient tout droit comme ça, et paf, qui fait ça pour rentrer dans un pré. Ouais. Pour rentrer dans ce pré, il y a une buse, le petit pont. On sait que cette buse ne peut supporter que 5 tonnes. Ce camion en fait 38. On n'a jamais vu ce camion rouler sur cette buse, même à la reconstitution. Jamais. Ouais. Philippe Boggio, je crois qu'il est d'accord. Sur le pré. Sur le pré, oui. Mm-hmm. Et les gravats qui proviennent de la gendarmerie de Grasse.
Et puis surtout, 15 minutes à peine après l'accident, la gendarmerie installe un barrage sur la route avant même que les secours soient sur place. Alors ça, c'est vraiment le plus surprenant. C'est Jean-Marie Marion à qui arrive cette péripétie, qui est avec, dans toute une bande. Il y a Jean-Marie Marion, il y a Mathilde Amé. Ils sont une dizaine à Cannes. Ils sont 5 à remonter de Cannes à Opio, où se trouve la maison. Bon, ils se retrouvent au garage Honda, à la sortie de Cannes. Ils se retrouvent là. Coluche, Didier, Ludo disent « Oh non, c'est trop long, nous on s'en va ». D'accord, alors ils partent. À ce moment-là, Jean-Marie et Mathilda disent « Oh là là, oui, c'est vraiment, c'est trop long ». Et donc, ils disent « On a attendu 5-10 minutes maxi ». Moi, je double le temps, disons 20 minutes. Il y a 14 kilomètres. Ils font 14 kilomètres. Ils mettent un quart d'heure, on va dire qu'ils vont mettre un quart d'heure, ça fait 40 km/h en moto. Et là, ils arrivent, feu, barrage de la gendarmerie. Ça veut dire que Coluche est parti depuis 5 minutes, qu'il y a déjà les gendarmes et les pompiers ne sont pas encore arrivés. C'est rapide, non ? Ouais. Ouais. Alors l'instruction est confiée au juge Renard, qui a eu maille à partir avec Éric de Montgolfier à Nice pour avoir transmis des informations confidentielles à la Grande Loge Nationale de France. Donc là aussi, il y a un petit doute quand même sur le juge d'instruction. Et ensuite, beaucoup plus grave, vous racontez que Depucé a rencontré un dénommé Serge l'Arménien, un ancien barbouze, qui affirme que sa villa, près d'Opio donc, aurait servi de quartier général à ceux qui préparaient l'attentat. Alors voilà, ça c'était tout ce qui fondait la conviction de Jean et tout ce qui l'a amené à aller voir Didier, Jean-Marie, à trouver le jugement, à étayer ce qu'on lui une confidence. Alors cette confidence, comment on peut la prendre ? Ce Serge l'Arménien est mort. Jean est mort. Sauf que Jean, il a raconté sa vie et dans notre livre, je raconte sa vie. Il dit, je connaissais Serge l'Arménien, qui était Serge l'Arménien de Barbou, je le connaissais, etc. Je lui ai dit, alors Coluche, il m'a dit, oh, vous me faites chier avec cette histoire, ils sont venus chez moi faire préparer tout, c'est pas de ma faute, etc. Moi, quand je me retrouve avec une information comme ça, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je vais vérifier ? Quand tout à l'heure, vous disiez la rumeur, mais c'est la peste du journalisme. Et comment on se protège de la peste ? En recoupant ? Qu'est-ce qu'on peut recouper ? Il y a un type qui dit « je suis un agent secret, je publie une carte d'identité dans mon livre ouais. ». Il y a deux types qui disent « on a fait des coups, on a buté des mecs, on a assassiné ». Alors si je te le dis, tu me crois ? Bon, je me dis que le Rainbow Warrior, ça existe. Les paillotes, ça a existé. Les armes qu'on met chez les Irlandais à Vincennes, ça existait. Si un type venait me raconter aujourd'hui, tu sais, les armes à Vincennes, c'est moi qui les ai mises et tout, comment je le vérifie et ouais. Comment je le contrôle ? Et pourquoi ça serait pas vrai ? Donc ce Serge l'Arménien dit à Depucé, donc, que sa villa avait servi de quartier voilà. Général pour la préparation de l'attentat contre Coluche. C'est bien ce que vous dites ? C'est bien ce qu'il dit, oui. Bien. Et en 1988, Depucé sympathise avec un policier de la brigade de répression du banditisme qui lui parle d'un dossier Coluche. Consacré à la préparation du meurtre. Voilà. Il existe, ce dossier. Ben, le problème, c'est que j'en sais rien et que j'y crois même pas, ce dossier. Le problème, il est que j'ai en face de moi, il y a un type qui est inspecteur à la BRB, que Jean a rencontré, qui lui dit, il avait un indique qui, quelques temps après la mort de Coluche, l'appelle en pleine nuit, paniqué, mais mort de trouille, en lui disant, on a buté Coluche, j'ai le dossier, j'ai tout. Et le type, il panique, etc. Et il raccroche. Et Jean rencontre donc cet inspecteur de la BRB qui lui raconte ça. Il retrouve cet indique. Cet indique dit qu'il a un dossier qu'il a consulté 15 jours avant la mort de Coluche, qui parlait d'un camion, qui parlait de... Et Jean lui dit, bah, donne-moi ce dossier. Ça va durer 10 ans, cette histoire. 10 ans où Jean n'a rien vu. Moi, je rencontre ce mec. Je lui dis, ça y est, Jean est mort. Il est mort le 12 mars et je le rencontre le 15. Ça va, tu l'as baratiné, c'est bon, on arrête maintenant cette histoire. Le type m'insiste, dur comme fer qu'il a ce dossier. Je lui dis, mais c'est pas possible, arrête, tu l'as pas. C'est pas possible, c'est pas vrai. Il dit, écoute, je l'ai et puis c'est tout, j'ai pas besoin, je veux pas le sortir parce que j'ai peur pour ma vie. Ouais. D'accord ? Et toi, tu fais ce que tu veux. Tu veux l'écrire, tu l'écris. Tu veux pas l'écrire, tu l'écris pas. Mais moi, j'ai rien promis à Jean et j'ai rien promis à toi, je le sortirai pas. Voilà, à partir de là, moi, je raconte les convictions de Jean qui m'ont amené à trouver. Ce que je dis sur l'AFP, ce que je dis sur les motards, et ce que je dis sur le camion, ce que je dis sur le 38 tonnes, etc., etc. Non mais vous, alors, est-ce que vous avez aujourd'hui la conviction, l'intime conviction, que Coluche a été assassiné ? Je me dis que ce camion n'avait vraiment rien à faire là, bien plus que Renault. Je me le dis encore plus que lui. Parce que c'était pas un camion qui déchargeait du Perrier dans un camping. Ouais. C'est un camion qui transporte des gravats de la gendarmerie dans un pré. J'espère que c'est pas vrai. Moi, je veux croire que c'est pas vrai, parce que ça dépasserait l'entendement qu'une République puisse... Alors voilà, on en arrive, avant de filer la parole à Bodjo, on en arrive aux raisons du meurtre, évidemment. Tout le monde se demande pourquoi, effectivement.
Et c'est vrai qu'il faut d'abord rappeler que lors de sa candidature gag en 81, Coluche avait déjà été menacé. Son garde du corps s'était fait repasser. Il avait reçu des balles par la poste, etc. Donc déjà, il avait été mis en danger. Et Coluche aurait rencontré Jean Edernallier un soir. Et Jean Edernallier lui aurait dit qu'il était menacé parce qu'il voulait révéler l'existence de Mazarine. Et ça, moi, c'est la seule chose que je peux dire là-dedans. Je connaissais très bien Jean Edernallier. J'ai vu comment il a été pourchassé par les services secrets quand il voulait révéler l'existence de Mazarine. Et puis lui, sérieux. Accident de moto, accident de vélo, il y a des similitudes. C'était pas, puis en plus, Jean Edern, c'était pas rigolo sa vie à ce moment-là. Il était obligé de fuir en Italie, grâce à Douming, d'ailleurs, le milliardaire rouge qui l'a aidé à fuir. D'ailleurs. Bon, alors, Jean Edernallier raconte ça à Coluche, et Coluche dit, bah, moi, je vais en parler sur scène, puisqu'il faisait son grand retour sur scène, au Zénith, je vais en parler sur scène. Voilà, ça serait les causes... en tous les cas, de cet attentat. L'autre raison, c'est celle qu'avance Romain Bouteille, qui dit que Coluche faisait vraiment chanter des grosses entreprises agroalimentaires pour obtenir de la nourriture pour les Restos du Cœur, et que donc, il s'est fait buter par des entreprises agroalimentaires. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires dans cette affaire. Maintenant, de là à dire qu'il a été assassiné, c'est encore autre chose. Effectivement, de là à dire. Effectivement. Il faut imaginer qui était Coluche en 86. Il y a un avant et un après les Restos du Cœur. Avant les Restos du Cœur, Coluche, il s'est fait virer d'Europe. Il se fait remercier de Radio Monte Carlo. Il se fait remercier à la télévision. Ouais. C'est un type... il faisait sale comble, les gens qui venaient le voir, qui remplissaient Bobino ou Gymnase, etc. Mais on pouvait le virer en 81 quand il se présente. Et il y a 16% qui disent avoir envie de voter pour lui. Bon, c'est un type, après les Restos du Cœur, en 3 mois, 8,5 millions de repas. Le type, il devient intouchable. Saint-Coluche, 71% des Français le trouvent sympathique. Le mec... qui pourrait arrêter Coluche si, au Zénith en septembre, il allait pas forcément balancer sur Mazarine, ça j'en sais rien, mais même, il balançait tout ce qu'il disait lui-même que les politiques allaient déguster, qu'ils avaient peur, maintenant il allait leur faire honte, que tous ceux qui lui promettaient de l'argent, par exemple, il allait en parler. Ouais. Il avait un pouvoir incroyable, c'est qu'on pouvait plus le faire taire. Ouais. Il était devenu quelqu'un d'extraordinaire, mais vraiment d'extraordinaire, en juin 86. En septembre, il n'y aura pas le Zénith. Est-ce qu'en 88, Coluche n'aurait pas été au présidentiel? Qu'est-ce qu'on en sait? Aujourd'hui, quand on demande à Paul Lederman, je l'ai lu dans Télérama, qu'aurait fait Coluche aujourd'hui? De la politique. Alors, vous y croyez pas, hein, Philippe, à tout ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense mais expliquez-nous alors. Je pense que Coluche est mort d'un accident de la circulation. Ça arrive encore. Il y a encore des gens qui meurent comme ça, qui croisent un camion. C'est pas de chance, c'est terrifiant. Ça a causé une stupeur extraordinaire dans le pays. Donc je comprends qu'on ait envie de trouver d'autres explications qu'une mort par mauvais sort, mais ça arrive encore, et je crois que c'est le cas dans cette histoire. Oui, on a du mal à voir mourir les gens qu'on aime et les gens connus, oui. Oui, alors évidemment, je comprends que les amis de Coluche, qui l'ont pris dans leurs bras, aient trouvé la réalité autour d'eux très... très anormal, le chauffeur qui tendait ses papiers, vous racontez ça, alors qu'il ne se rend pas compte que c'est Coluche. Mais vous imaginez un chauffeur de camion à qui on dit « tu viens de tuer Coluche ». Vous imaginez quel air il peut avoir. Bon, donc je crois que tout est comme ça. À partir de là, il y a une sorte de fantasme qui se développe. Ça a commencé dès le lendemain de la mort de Coluche. Ça n'a jamais été étayé. Et à mon avis, excusez-moi, c'est toujours pas étayé. Vous ne trouvez pas probant le livre d'Antoine ? Non, je pense que c'est un procédé. Je pense qu'effectivement, il y a des anomalies au début, là, quand vous faites vous-même l'enquête, et que ce n'est pas l'enquête d'un mort, parce que ça aussi, dans un livre, c'est toujours bizarre de reprendre l'enquête d'un mort. Au début, quand vous parlez de la dépêche AFP, quand vous parlez des gendarmes, oui, je suis sûr que vous avez vérifié que la dépêche n'est pas à la bonne heure. Mais ça prouve quoi ? Et même s'il y avait une dépêche qui était méchamment d'une autre heure, si les gendarmes avaient consciemment fait un barrage avant les secours, ça prouve quoi dans l'attentat par rapport à Mazarine? Si on lit votre livre vraiment sérieusement comme je l'ai fait jusqu'au bout, on est obligé, pour étayer la thèse de l'attentat, d'additionner des journalistes de l'AFP, les journalistes parisiens que vous critiquez, parce qu'évidemment, le premier soir, ils ont raconté beaucoup de bêtises. Bon. Ouais. Le chauffeur, les gendarmes, les critiques, tout le PS, Mitterrand, les gendarmes de Mitterrand. Ben non, vous voyez, c'est... Les gravats. Les gravats de la gendarmerie. Bon, je pense, le QG, enfin, tout ça le me complot. Paraît... Pour vous, c'est la théorie du complot. Oui, c'est la théorie du complot, et vraiment qui tourne en rond, en plus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a le choix...
du mobile. C'est un peu Mazarine, c'est un peu l'agroalimentaire, c'est un peu en 81 parce qu'il était déjà un peu dangereux, mais il allait être encore plus dangereux en 88. Bon, ça me paraît être un pur fantasme, c'est des spéculations fumeuses pour moi. Et je crois également que... issu de la Vox Populi, parce que c'est ce que les gens de la rue disaient au lendemain de la mort de Coluche, on a voulu le faire taire. Il y a aussi un fantasme autour de ça, non ? Il y a sûrement un fantasme, mais c'est la première fois que je vous dis et que les gens vont entendre qu'effectivement, le camion ne barrait pas la route. C'est la première fois que les gens vont entendre. Ça, excusez-moi, Philippe, ça change non, quoi non, je vais finir. Non, je vais finir. Quoi, non, je vais finir. C'est la non, première mais attendez, fois. Excusez-moi, c'est vrai, je ne veux pas prendre le parti d'Antoine plus que le vôtre, mais c'est vrai qu'on a tous imaginé, on voit ce camion au milieu comme un mur de ferraille et Coluche qui se met dans le camion, alors que les mecs qui étaient avec lui, c'est-à-dire Ludovic, Paris et Didier Laverne, disent c'est pas vrai. On est quand même obligé de les croire, ils étaient avec lui quand même. Bien sûr, bon, oui. Voilà. Donc, je reprends. C'est la première fois. Que les gens vont entendre, et là ils vont peut-être étayer leur fantasme, que le camion n'était pas en travers, qu'il était tout droit. C'est la première. Je finis, Philippe. C'est déjà dans l'instruction du juge Renard. Oui, oui. C'est la première fois que les gens vont entendre que le camion n'avait pas son clignotant et qu'il tournait non pas pour aller dans une décharge, mais dans un pré. C'est la première fois qu'ils vont entendre quand même que ce camion il transportait des gravats de la gendarmerie. C'est la première fois qu'ils vont entendre des faits tout simples. Parce que finalement, je fais le travail que si, en tant que journaliste, il y a 20 ans, on m'avait envoyé, ou on avait envoyé n'importe quel rédacteur en chef aurait envoyé n'importe quel journaliste le lendemain, c'est ce qui est arrivé au journaliste du Journal du Dimanche, au journaliste de France Soir, il aurait ramené ce que je dis. Il se trouve que là, on a tous lu dans les journaux quelque chose de faux et qui n'a pas été corrigé. Alors que dans le fantasme populaire, ça soit resté, mais attends, c'est un assassinat, moi je veux bien. Sauf que moi, je vous dis, c'est la première fois que je vais dire quelque chose qui n'est pas contredit et qui ne sera pas démenti. Le camion roulait en face, tout droit. Maintenant, pour venir au camionneur. J'aimerais bien le voir, le camionneur. Je le cherche. J'ai essayé de le voir. Je suis passé par son avocat. J'ai essayé de le rencontrer. J'aimerais qu'il parle, qu'il nous dise. Il est où, ce camionneur ? Il est où ? Il habite dans le sud de la France. J'ai décidé dans mon livre de ne pas citer son nom. Il est dans tous les journaux. Ça, on l'a mis en pâture dans tous les journaux. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il raconte. Il y a un truc qui... C'est un petit détail. Mais un truc qui m'a halluciné. En tant que journaliste, je suis des procès de temps en temps, etc. J'ai relu la presse, et Nice Matin par exemple, qui rencontre et tous les journaux qui rencontrent du procès par exemple. Dans Nice Matin, j'ai trouvé ce truc incroyable. En parlant du camionneur, il y a entre parenthèses, dont on n'a pas entendu la voix de tout le procès. Ça veut dire que, si je comprends bien, ça veut dire que le président, en ouvrant l'audience, il ne dit pas « Monsieur, levez-vous, expliquez-nous ce qui s'est passé ». Le journaliste dit « On n'a pas entendu la voix ». Moi, j'en suis là, je n'ai jamais entendu la voix de ce monsieur. Alors évidemment, il a tué Coluche, évidemment, le pauvre, tout ce que vous voulez, mais nous, on a le droit de se poser des questions. Il raconte lui-même, parce qu'il a fait un tout petit interview dans l'événement du jeudi, 10 ans après. Il explique qu'il a eu les hélicoptères des paparazzi, des journalistes qui sont venus à sa porte, que sa femme a déprimé, etc. Est-ce que je vais faire ça, moi ? Non, je ne fais pas ça, je demande un rendez-vous. Et là, c'est clair. Je veux dire, je le demande, qu'ils viennent nous expliquer. C'est tout simple. Il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Et en tant que journaliste, je crois que c'est mon travail de faire ce que j'ai fait. Parce que si ce n'est pas un accident, alors on a tué le bouffon. Mais c'est vous les bouffons. Et c'est moi qui fais mon travail. Comme vous le faites aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Coluche mettait toujours son casque. Ce jour-là, il ne l'a pas mis. Comment organiser un meurtre avec un camion ? Laurent, excuse-moi, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas grave. Parce que... Si c'était vrai, cette histoire d'un camion, par exemple. Desmarais dit, le camion, c'est l'arme, vraiment, pour tous les services secrets. Le meilleur truc, c'est que ça passe pour un accident. On ne va pas mettre une balle dans la tête d'un mec, parce qu'on verrait que là, ce n'est pas un accident. Le camion, c'est génial. Je vous rappelle l'affaire Saint-Aubin. Un camion qui percute une voiture, sauf que ce n'est pas la bonne voiture. Le casque. Si vraiment, on décide de buter un mec avec un camion, vous ne croyez pas qu'on s'en fout d'en buter deux autres avec ? Et puis en plus, il était premier. Des fois, il était deuxième. Des fois, il était troisième. C'est ça, comment calculer tout ça ? Il y a trop de paramètres. Mais c'est... Il y a, mettre c'est autant vrai, de moyens pour un truc aussi si aléatoire. Si vous lisez mon livre, vous verrez que c'est pas hétéroclite. Vous verrez que ça s'enchaîne. Mais non, moi je l'ai lu, ça ne s'enchaîne pas, je suis désolé. Vous n'êtes pas... Alors écoutez, je propose qu'on lise vos deux livres. Voilà. Et moi je voudrais dire que le livre de Philippe, j'ai lu à l'époque tout ce qui était sorti sur Coluche et depuis, et je pense que la biographie de Philippe Boggio est pour moi la meilleure, sûrement la définitive. Et puis, je n'envisage pas, il a tellement été proche de cette histoire-là, comment aurait qu'il pu passer au travers de tous les indices, les éléments que vous décrivez, c'est remettre en question son travail. Non. Et puis vous avez eu peut-être plus d'éléments. Enfin, je sais pas. Non, je pense que la biographie que Philippe a écrite sur Coluche est formidable, excellente. Je ne vais pas tirer les pompes. C'est vrai. Il n'y a rien à dire. Ah, oui. Seulement, je crois qu'on peut en convenir. Philippe n'a pas écrit sur l'accident.
Il a écrit, parce que voilà, il a conclu, il a deux pages sur l'accident. Moi, je ne me sens pas en polémique avec Philippe. Philippe, il peut l'être avec moi. Vous avez enquêté mais aussi. Il va répondre, mais moi, en lisant votre livre, puisque c'est la première chose que je fais, un journaliste du Monde qui écrit, on va tout de suite aller voir, surtout que Philippe dit la thèse absurde de l'attentat. Moi, ça me fait peur, donc je vais regarder. Bon, il dit rien qui contredit. C'est-à-dire que maintenant, il peut dire « je n'y crois pas », mais il ne peut pas dire « moi, j'ai enquêté sur l'accident, sur l'attentat ou l'accident ou sur la mort et j'ai une autre version, je ne crois pas ». C'est une biographie de toute la vie. Moi, je raconte cet accident au dire de deux gars que j'aurais aimé qu'ils soient là à côté de moi. Lido. C'est les seuls deux mecs qui le suivaient. Et en plus, c'est pas qu'ils auraient fait plaisir à Jean de Pucé. Non, mais ils le disent. Non, mais Ludo, il l'a encore dit dans la presse cette semaine. Ouais. Il dit comme vous. C'est-à-dire bien qu'effectivement, sûr. Le camion ne tournait pas, il arrivait de face. Il est tout droit. Ouais. Et ça, les auditeurs, personne ne le sait. On peut dire tout ce qu'on veut, mais personne ne l'a entendu. Ce soir, il l'entend pour la première fois. Antoine Quasimodo et Jean de Pucé, Coluche, l'accident, aux éditions privées, mesdames, messieurs. Philippe Bodio, Coluche, l'histoire d'un mec, c'est chez Flammarion, mesdames, messieurs. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.